I seriously cannot believe that I'm still making this argument in 2017, because I thought it had been put to rest in like 2009, and then 2010, 11, 12, and well, you get my point. Do you understand the words that are coming out of my mouth? If you find yourself wondering how to tie every content piece back to your product or service, you are doing it wrong. Wrong, 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 wrong. Doit-on parler de son produit ou de son service quand on fait du content marketing? Eh bien, dans cette vidéo de Tarant que je vous ai peut-être montré, sinon je mets ici un lien pour la voir en entier, elle nous explique clairement que la réponse à cette question est non. Et c'est vrai, elle le dit, on l'a déjà expliqué aux clients en 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, elle a fait la vidéo en 2017. Et en fait, on peut l'expliquer tous les jours, parce que c'est très très compliqué à expliquer pour un client. Mais je veux parler de mon produit, est-ce que vous pouvez ramener ça? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est pas du content marketing. Donc ça ne sert plus à rien. C'est ce qu'elle dit, what's the point? Ça ne sert à rien. Parce que sinon, ben, on fait de la publicité. Donc à ce moment-là, on recommence. Voilà mon produit, voilà en quoi il est meilleur que les voisins, il a un capuchon, il a un... Voilà, c'est un stylo. Voilà. Et je vais parler de mes fonctionnalités. Mais en fait, si je parle de mes fonctionnalités, il y a très peu d'intérêt, très peu de façons pour moi de me démarquer de la concurrence. Alors, il y a un auteur fameux qui a expliqué ce phénomène. Il s'appelle Simon Sinek. Il a écrit un livre très important qui s'appelle « The Golden Circle of Innovation », le cercle d'or de l'innovation. Ce cercle d'or est très très simple, je vais vous le montrer ici. Hein, ça commence par pourquoi. En fait, il explique que les grands visionnaires commencent toujours par expliquer pourquoi ils font les choses. Jamais ce qu'ils font. D'accord ? Ils expliquent pourquoi. Moi, j'ai voulu faire ça. Par exemple, quand j'ai voulu créer ma société, je n'ai pas voulu faire du content marketing. J'ai voulu changer la façon dont on fait de la communication. Alors, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, mais dans un certain, dans une certaine mesure assez largement. Mais j'ai insisté sur le pourquoi. D'ailleurs, je n'ai même pas de présentation de mon agence. C'est volontaire. Je ne veux pas présenter mon agence. Parce que quand j'étais client, on me présentait toujours l'agence. Et ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'on réponde à mon problème. Donc, relisez bien cette, regardez bien cette vidéo de Tarant. Je la remets dans celle-ci. Écoutez bien, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est contre-intuitif, mais il faut apprendre à sortir de son produit pour mieux vendre. Arrêter de vendre pour mieux vendre. C'est la logique du content marketing. C'est une logique inversée. Il faut la comprendre. The point of content marketing is to connect with people even if they aren't in the market to buy at the moment. It's not a direct sales tool. It's a relationship building, awareness making, loyalty boosting tool.